Compatriotes Haïti Media on yo, ça fait bagay attaqué président, ou était la vie président, pour moment ça yo là, li très répété à travers monde et pour cela, on paquet chef d'état qui commençait à ranger pied yo. Dans pays Madagascar suite avec célébration fête indépendance pays ici là, président Rajoelina lui-même li manqué bois de bouche li suite avec yon tentative d'assassinat. Zami mwen yo, gen moun yo commencé marrer dans quatre tentatives si là et en même temps pas bon ici nous connaît pays Haïti, li gen yon envoyé spécial qui sorti nan pays Tonton Sam, qui zami se vini régler pour nous là on paquet ki choy. Rete la pa déplacer, m'a mandé pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Media on nan et ou konnen déjà en matière d'information, nous c'est numéro 1 sur tout réseaux sociaux yo. Bonjour bonsoir zami mwen yo, comment nous y est? Est-ce que n'ap kembe? C'est toujours même love là, même plaisir, même contentement à chaque fois ou fait clic ça pour capable coûter voir information k'ap bon détail yo à clair. Bagay touye président. Attaquer président, c'est pas première fois ça a fait dans monde là et nous même tout pas première nation qui montre l'autre moun yo fait puisque nous connaît dans pays d'Haïti au moins 5 présidents assassinés dans cadre mission yo dans cadre exécution que yo même yo gagné en tant que chef d'état. Zami Haïti Media on yo, moi même en tant que voix information c'est chercher m'a chercher pour me porter ba nous selon ça que moi joindre depuis quelques semaines là moi apprendre situation politique dans pays Madagascar li pas douce du tout. C'est coué un gol caporal son pas campé chien manger chien et sous d'accord embrasser politique ça il faut qu'on mette pantalon dans taillou faut pas porter pantalon pour belle toile tellement situation politique ça lui-même li très dangereuse. Zami mwen yo, 26 juin 2021 qui saute passé à là gagnon tentative assassinat qui fait contre président André Rajoelina dans cadre célébration indépendance pays a et bien la police mari 6 nèg sa yo parmi yo gagne des français qui yo maré dans cadre tentative que nèg yo t'a fait pour ou était la vie président. Zami mwen yo, m'sou di sa déjà gen en pile crise politique nan pays ici là et m'a di nou sa déjà parmi des français que la police arrivé mari kou krab mete men nan pat kasavyo nan pays Madagascar et bien gen tout les nèg sa yo alors yo c'est ancien officier retraité et en même temps youn nan français yo te gen non ki tap cité en tant que premier ministre et en même temps li te ancien conseiller président Rajoelina. Zami mwen yo, m'sou di sa déjà ja puisque nous ouais bagayo là c'est presque deux gouttes de l'eau par exemple assassinat président Jovenel Moïse qui d'après le fait pas après yo fin attaquer président Rajoelina dans pays Madagascar. Moi j'aime pas comment ces bagayo vraiment semblé et m'a dit zami Haïti Media on yo même gens la police dans pays Madagascar yo dévoué pour capable connait vrai auteur mais selon information yo faire comprendre assassin ça yo même nek ça yo assassin assassin sans foi ni loi ça y a fait yo connait très bien son façon qu'il a fait depuis c'est moun ki nan zafè politique y a tiré yon revanche pour cela yo te gade est-ce que tu capable attaquer premier personnage public nan pays Madagascar qui c'est Rajoelina. Zami Haïti Media on yo m'ap fann comprendre pays Madagascar li pa gen trop différence par rapport avec pays d'Haïti. C'est yon nan pays yo ki pi pov nan monde lan et en même temps qui gen plus passé des décennies alors 20 l'année depuis la konnen yon instabilité politique côté nèg yo même y a font vie politique nan pays ici là chien manger chien mais paquet violence là-dedans on connaît que politique pour capable pi belle li pa l'autre en qui dialoguer qui tête ensemble. Zami Haïti Media on yo vinn jwenn encore avec Kona kap manger begon pays ici là kap manger nanan est-ce que comprendre ça vinn cause pays ça lui-même li tombe plate à terre et vinn jwenn avec maladie corona ça l'autre pays te gen moyen déjà maladie ça n'est passé nous comment pays ça plein vinn jwenn ou même qui pas gen rien c'est chien qui t'a trempé casa fou moi j'aime pas bon menti bagay yo plus compliqué même dit ça déjà n'a va ouais assassinat tentative assassinat alors qui t'a fait contre président si là mettez avec assassinat qui fait sous président par nous on après ou presque semblé mais semblerait-il que la justice dans pays Madagascar prend devant nous longtemps ça. Zami Haïti Media on yo abonné avec gros bouton ton channel Haïti Media on nan l'on fait ça ou permet channel l'avancer puis devant et ou même ou prêter en bas pied banane information et m'dou ça à clair ou même j'aime faire là ou mes travail qui m'a offre qui sans prière tant pri souple monter que ou encourager entrer puis font non challenge parce qu'il a besoin faire plus que 300 000 abonnés. L'autre détail que m'bral partage avec nous puisque m'ai déjà dit nous ça dès au début côté pays d'Haïti li gen yon envoyé spécial qui sorti dans pays États-Unis pour venir porter nous la main forte pour venir ba nous jarrette
nan sa ki peyi d'Ayiti li menm lap konnen la an tanke traka. Zanmi mwen yo, gen yon deklarasyon porte-parole Departman d'Etat Ameriken ki pote non nepris, li menm li fè paret nan komansman jounen jeudi 22 juye 2021 pou l'annonse chwa Departman d'Etat fè de Daniel Foot kom envoyé espesyal nan peyi d'Ayiti. Mouche avè komprann, se avèk plezi, Departman d'Etat ap annonse ki ambassade Daniel Foot, yon mab de karrière et de haut niveau service étranger les États-Unis, li pral servi comme envoyé spécial li en Haïti. Comme envoyé spécial, monsieur Foot pral pran yon contact actif avec partenaires haïtiens ak international yo pour faciliter yon la paix ak yon stabilité à long terme et puis appuyer effort kap fait pour élection présidentielle et législative libre et honnête déroulée dans pays d'Haïti. Li pral travaille également avec partenaires yo pour coordonner effort assistance dans divers domaines tant que domaine humanitaire, sécurité ak assistance dans enquête yo, enquête nan palace assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là et yo avancé tonton avancé alors pour faire qu'on est en plus de ça envoyé spécial là pral prend contact actif avec parti concerné yo dans société civile là ak secteur privé a pendant n'a continuer appuyer effort qui va fait sous initiative haïtien yo pour joindre solution pour un pile défi urgent Haïti a confronté. C'est comme ça que tonton porte-parole département d'état lui-même li parler pour capable accueillir tonton ça qui pote non Daniel Foot ça yo fait me comprendre son nèg de carrière son nèg dans affaire ambassade mon cher monsieur pote monsieur lever gros pria et bien monsieur là li entre dans pays d'Haïti mais fidèle Haïti média on yo moi je dis puisque n'a vive non moment non air qui vraiment éclairé qui vraiment avance gen paquet évolution qui fait mon cher m'pa bo menti Jean 1915 te paraît là m'garantou 2021 li pa paraît comme ça est-ce que vous comprenez blanc li même l'esprit pi bien activé que l'esprit pour il est l'esprit fin dans notre dernière version et puis li même li voye le ba ou souvle ou dans notre pour parce que m'konnen là gen en pile haïtien malgré tout sortant de malgré tout étude que vous fait l'esprit pour jam update est-ce que vous comprenez alors dit m'a regarder là est-ce que m'pa pral prendre occupation américaine sur la forme ou bien m'a prend en chal calis en chat pente ça sont gros questions qui me poser là même qu'on est en pile dans nous là nous intelligent même genre avec moi n'a va bon mieux réponse dans commentaire là vraiment important tonton ça entre dans pays d'Haïti il vient faciliter élection présidentielle et législative faite dans pays d'Haïti en tout cas bagaille en pile même d'appeler un autre là côté mettre comprendre camper ça fait et KP ça on mettre sous time out lobby football ou dinaga font petit camper est-ce que comprendre c'est on note qui m'appelle là n'a vinn sou ça après mes amis Haïti média on yo pendant ou koute voix information nan pi gwo émission ki gen à travers réseaux sociaux yo li vraiment important pour me faire comprendre suite avec Moringa Haïti li gen deux produits ki la offri nous là qui vraiment efficace ke nous connaît déjà gen outil gen ban gen outil à lui-même c'est un pomade 100% organique ko capable passer dans tol pin nan détirer allonger le bali gros c'est que ou souhaiter a et de vous faire bien ou passer pomade là de manière régulière ou si poser joindre résultat non moins que 2 mois et en même temps gain bonnan c'est un comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles de pour prendre 3 chaque matin dans 7 premiers jours ou si vous êtes gaya relé ou bien écrit sur WhatsApp dans numéro qui passé en bas écran là mais il est vraiment important et sous ta même joindre une information relé monsieur Zamabdou leur consommer produit Moringa Haïti yo li pas provoquer aucun effet secondaire sous état santé zami Haïti média on yo puisque nous connaît Jovenel Moïse n'est plus mais ça pas empêcher monsieur lui même pour rapport qu'il gagné avec pays États-Unis mon cher m'pa bon menti gen en pile gros chabrak là cap bon cap parler cap bay quelques mots de circonstance on pas la grave gen en pile monde l'amo ça Zack Maspinay Krabinay qui fait sous Jovenel Moïse là li pas pote nèg trop bien dit tout gen un citoyen lui-même qui parlait qui pote non Kenneth Metten est-ce que nous comprendre monsieur fait comprendre président Jovenel Moïse même c'était un bon citoyen qui t'a bataille pour te changer la vie tout peuple haïtien moi pas ka quoi monsieur mouri faut que Jovenel joigne justice pour sa servir une leçon pour tout le monde qui nan monde là c'est comme ça citoyen ça parler le faire comprendre Jovenel Moïse moi pas jamais blio ou ap toujours nan kem ça c'est déclaration que net metten bagayo dol bagayo en pile et m'din sa zami Haïti média on yo mon cher m'pa bon menti si m'd'apprend cité pour ou valait moun k'ap plein valait moun k'ap crier pour déplacement président Jovenel Moïse mon cher l'offre un coup de pied
nan au Cap Haïtien, ti moun kou gran moun tout ap kriye avec déplacement sa Jovenel fait qu'elle pas souhaité que Messine colombien mette avec un paquet soufflant you pas bon ici yo fait ici a aller beaucoup de papal sans qu'elle pas souhaité aller nan moment ça là zami Haïti média on yo pas oublier application li pas 2 li pas 3 li pote non Zabdil son application qui fait spécialement pour ou kote capable download li mette sous smartphone nou et puis sortande pour ou gen la caillou ou ta remen vann ou gon bagay la caillou observer avec li dit dans ton temps pas son l'autre moun ni depuis en bon état fait photo a mette sous gros bouton ton application an, ou ap jwenn moun achetel et avec Zap ou pas prendre vie tap ou ta remen fait promotion pour ou buy business ou pour ou la yon visibilité qui énorme écrit nous sous Haïti Media On à commercial@gmail.com. On voulait assassiner le rêve de Jovenel Moïse, mais on n'y arrive pas. On peut tuer Jovenel Moïse, ou qu'a tué Jovenel Moïse, ou qu'a campel sous ça l'a fait en tant qu'action pour l'avancement de ce pays. Mais rêve Jovenel Moïse est toujours là. Les partisans de Jovenel Moïse, un peu partout à travers le pays, surtout les paysans. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui là, il y a monde qui a réfléchi sous la mort de Jovenel Moïse là, qui ont l'autre niveau de réflexion que Jovenel Moïse tape travail pour les masses. Jovenel Moïse, c'est représentant la paysannerie haïtienne. Jodi a la, yo touye monsieur, yo sacrifié, yo koukou man en bakou, yo bal bal, le regarde yo, je sais pas ka mouri, yo pikel. Un crime atroce. Jovenel Moïse, menon goumé pour le mettre sous pied. L'Agence nationale d'intelligence, ANI. Je me rappelle avoir parlé avec Reginald Delva, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique et le ministre et ancien ministre de l'Intérieur, ancien officier de l'armée d'Haïti. Reginald Delva, que je me suis fait combien de temps collaborer avec lui, tant au niveau de secrétaire d'État à la sécurité publique et au niveau du ministère de l'Intérieur. Le président Relem, pour le dire, le président Relem nous fait 30 minutes à parler sur la question de sécurité pays. Le président me dit, président, vrai fantôme, c'est des dos, vous n'êtes pas dans la rue. L'homme dit, président, où en est sécurité? Peut-être que le président va comprendre. L'homme parle à président. Dit, président, est-ce qu'on l'a vu en danger? Même l'homme bat connaît ce qui est passé. Mais le président tellement gagné ennemi. Il ne plus penser que c'est l'homme qui quitte le pouvoir. Il n'y a pas assassiné. Je dis maintenant tête que je suis tout le président, j'ai tout là. Par la président, sous sécurité pays, sous ANI, que en plein secteur dans le pays, secteur mafieux, pas d'accord pour le président mettre sous pied. Et là, tout le monde comprend. Je dis là, les gens qui ne veulent pas ANI, ils ne veulent pas le président mettre sous pied ANI, le système d'intelligence du pays, pour renforcer ça, là. Eh bien, tout le monde comprend. C'est même qualité moun sa yo qui t'a comploté pour te tuer avec Jovenel Moïse. Parce que qui ça? Par contre, il y a un pays du monde. Et nous débat ça là, dans le débat. Par contre, il y a un pays du monde qui n'a pas de service secret. Moun yo goumé avec le président, yo goumé avec le président sous base que le pays doit mettre sous pied Annie. Quand il a fait appel à Reginald Delva pour lui prodiguer des conseils salutaires sur la sécurité du pays. Gené qui bon côté président qui estimait que Reginald Delva gon longueur d'avance, l'a aidé président avancer. Et m'a posé tellement question, c'est pas même moun sa tout qui m'a un complot pour tuer président. Reginald Delva t'es obligé font moi Haïti. Ils sont si Miami pour le venir joindre président. Et me parler avec mon ancien premier ministre, une grosse autorité dans le pays là. Côté dit moi président prend une décision pour capable faire Reginald Delva gérer la question de sécurité pays. Parce que Reginald Delva, c'est un monde qui est capable. C'est un monde qui a une capacité. La Haïtien dit dans le blanc, Reginald Delva, il a les capacités, n'est-ce pas vrai, pour mener à bien la sécurité du pays. Et c'est le premier monde, le président Relem, pour le dire que, mon cher, nous avons souhaité que vous soyez secrétaire d'État à la sécurité publique. Premier monde,
c'est Reginald Lelo parce que nous collaborons avec elle dans la sécurité publique, nous collaborons avec elle dans le ministère de l'Intérieur. Eh bien, il y a des gens qui sont côté président qui estiment que Reginald Delva a un longueur d'avance sur la question de sécurité pays. Reginald Delva a aidé le président à avancer sur la question de sécurité. Eh bien, il faut que mange Reginald Delva à coup de langue. Et ça, c'est ce que nous faisons en Haïti. Puis bien. Ça nous fait plus bien. Bye, n'écoute langue. Mais le Reginald Delva a gardé l'ouel, constaté que le président va sur route, régler bail sérieux. Il vient de l'aller. Parce que la bail des consultations, est-ce que vous comprenez? L'a bien organisé lui. Ils sont consultants en sécurité. Donc, lui sentit que vous équipe mon dans le pays, pas comprendre l'essentiel. Et bien, monsieur, vient de l'aller. Mais à son serviteur, il était voulu aider le président dans le cadre de la sécurité du pays. Et c'est très malheureux. Ces gens qui ont assassiné le président, ces gens qui ont planifié l'assassinat du président, et bien ça qui passe. Ils n'ont pas voulu le président avancer sur la sécurité. Et c'est ça qui fait. Ils ont quitté le président dans vieux Kaïsa Pellerin, qui n'est pas conforme, qui n'est pas respecté aucune norme pour abriter un président de la République. Mais vous êtes tous des méchants. Vous êtes tous des méchants. Nous pas bon monde. Et nous tous les présidents, Jovenel Moïse. Mettez de côté toute structure sécurité pays qui n'en met, et ministre intérieur, ministre justice. Moi, je retourne avec ministre justice. Là, je ne sais pas. Je ne comprends pas. On est qui échoué. Je ne sais pas pour qui ça a oublié de retourner avec elle. On est qui est pour la répondre à une question. La justice. On est qui est pour la répondre à la question de la justice. Le ministre de la Justice, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gonzague D, l'actuel directeur général de la police nationale, monsieur Léon Charles, parce que le président l'avait appelé. Et j'ai parlé ce matin avec un ancien directeur général de la police nationale, qui dit, lui comprend ça très mal, pour le président d'arrêter Léon Charles, pour Léon Charles pas mobiliser tout plus, pour cette radio l'été, pour la baille des consignes. Ancien directeur général de la police a dit, lui comprend ça mal en pile. Pour Léon Charles, le directeur général de la police nationale, camper dans le téléphone, ou bien camper dans la radio, sur la radio, pour mobiliser tout. C'est mettre pied à terre. Parce que la vie du président est en danger. Et je me rappelle, quand le président m'a appelé pour me dire, les amis, qui sont ouais dans la question, changement dans le niveau de la police là. Je dis au président, monsieur 95, que moi-même fais partie de 95, équipe policier 95, N'est-ce que sous l'obéi, au lieu que vous collaborez avec Rameau, Normil Rameau, qui sont francs techniciens, vous plutôt mouton fantôme, mouton syndicat en face. Rameau. Et puis j'ai demandé au président de la République. Appelons Léon Charles. Parce que je pense que Léon Charles n'a pas de résultat. Je suis back up Léon Charles. Parce que je estimé. Les quatre travaillent. Dis président. Monsieur Ogoumetrop, maman des présidents, est-ce qu'on ne peut pas mettre chaque commissaire divisionnaire ensemble pour chita parler avec eux pour comment mener pour la police là à bien. Il dit, le bouquet fait ça. Jovenel Moïse, le bouquet mette, où est-ce que je vais chita ensemble? Des nègres qui étaient dans l'académie ensemble. Ils n'ont pas collaborer. Ils n'ont pas entendre. Même du président, on est passé. Puisque vous faites un pile d'expérience, vous mettez ensemble, vous allez organiser, vous allez entendre, et bien on prend un ancien militaire. Vous savez bien, il y a un policier qui est obligé de réunir le président pour le président, et bien on prend le directeur général de la police, qui c'est Léon Charles. Qui était déjà dans la tête de la police, on dit on prend Léon Charles. Comme vous avez dit, vous avez déjà pour te demander, si vous parlez à la président, on ne va pas avec Léon Charles. Et de fait, Léon Charles était en même, on dit, et bien on va avec Léon Charles. Le matin, on dit ça. Je suis capé derrière Léon Charles. Et jusqu'à date, je suis Léon Charles avec enquête là. Je suis directeur général de la police avec enquête sur l'assassinat du président de la République. Je suis réponse Léon Charles au niveau de cette enquête. Parce que je m'estime que je dis à là, il faut que toute bagaille bien faite, il faut que les bagailles qui dit sous l'homme au président. Service d'intelligence au niveau du ministère de l'Intérieur. Service d'intelligence au niveau de la primature. Service d'intelligence au niveau du ministère de l'Intérieur.
au niveau du ministère de la Justice, service d'intelligence au niveau de la sécurité publique, service d'intelligence au niveau du palais national. Mon palais national, là, moi, tête chahinette. Je vais faire une enquête, moi, je ne peux pas dire combien de gens sont arrêtés dans le palais national. Je vais faire une enquête, je vais entendre combien de gens sont arrêtés dans le palais national. Même les arrêtés, combien de gens sont arrêtés, ils prennent mesures conservatoires contre eux. Parce qu'il y va de la vie, de la sécurité du président de la République qui mourit en conditions pareilles. Qu'en est-il de la sécurité des citoyens haïtiens? Mais je dis à la, les gens qui assassinent le président, c'est le groupe qui était à goumer contre le président, contre Annie, contre implantation, contre mise sous pied de Annie, agence intelligence nationale. Agence nationale d'intelligence, Annie. Oui, vous parlez. Parce que c'est ça qui a toujours dit que la crise haïtienne n'est pas datée aujourd'hui. Et c'est une crise qui, seulement politique. C'est une crise qui politique, mais fondamentalement économique. La crise est fondamentalement économique. Correct. Donc, M. Béza, si vous rappelez nous en 1850, M. était entendu pour faire l'indépendance. Nous faisons l'indépendance, quand il y a le partage des billets, par exemple. Vous connaissez que des Français, que les Français ont légué des espaces et de grands biens à Saint-Domingue, qui vont agir en Haïti. On y a là des boulots pour bien ça, parce que il y a deux groupes de monde qui vont faire face au bien ça, qui vont le porter pour eux. Premier groupe là, c'est les affranchis, ça nous est les anciens libres, les mulâtres surtout, pour la plupart. Donc ils ont dit que c'était bien papa, donc de toute façon, c'est le même qui petit seigneur qui hérite bien ça. De l'autre côté, on va joindre les généraux de l'armée indigène. Donc, on va dire tous ces gens qui font la guerre, bien ça, de toute façon, vous qui gagnez la guerre, c'est pour nous, pour bien ça. Et puis, c'est qu'on s'apprend à gagner, il y a une bataille qui commence. Bien ça, lui-même, il va le réclamer à ce que pour tout petit terre bénéficier, même façon ou l'autre, de bien ça, de terre, avec toute sa sécurité dans lui. C'est là que je suis allé poser la fameuse question quand on va dire, est-ce dont les pères sont en Afrique? Le retire bien. Et puis finalement, Dessalines va assassiner pour bagaille ça. Donc ça veut dire que ouais, son bagaille qui gagne une crise depuis longtemps qui gagne nos fondamentalités économiques. Okay. Monsieur César, c'est même bagaille qui prend arriver avec Jovenel Moïse là. Vous connaissez dans quelles conditions que l'élection est faite, parce que chaque fois l'élection a fait ici, vous avez un groupe de monde qui portait pour eux, qui investit l'argent parce que le pape de leur pouvoir. Correct. Plus que le pape de leur pouvoir, parce que pour bien tout, parce que tout le monde qui est ça, parce que aucun pays n'a gagné sans de cabre l'or, c'est pour payer ce pays qui a fait consommation économique, c'est économie de consommation, c'est économie d'importation. Ce pays nous crée pour que notre pays vive, mais c'est pour payer comme son pays de richesse. Alors, pays a vint comme ça, bien entendu. Alors, pays a vint comme ça, après 86. Allô? Oui, alors, pays a vint comme ça après 86. Pays a vu une compta après 86. Mais bien avant 86, c'est une sorte de travail qui t'a fait pour ça déjà. Fabri, c'est là que Duvalier lui-même va faire la révolution de 1957. Ok. Voilà. Yeah. Donc c'est parce que qu'on y a là, et plus que Duvalier, le régime Duvalier a vu pas là encore, qu'on y a eu plus au champ libre. C'est ça que monsieur Paul Vente était le Dieu fait 86. Là, il a créé le pays de la honte. C'est ça, c'est ça. C'est pays de la honte. Tandis qu'il n'y a qui t'a fait le temps de dire que nous fait 86. Après 86, nous venions espace dans Caraïbes là, ou espace de la honte. Tout le ouais. C'est la route. C'est ça qui fait que l'homme a 1286, premièrement, il faut reconnaître que vous êtes criminel. Parce que il n'y a pas de droit pas ça, monsieur César. Non, mais il n'y a pas de droit à l'époque. Mais mes amis, l'histoire racontée qui j'en paye, il n'y a pas de payer. Quand il y a plus que son économie de consommation que nous gagnons, quand il y a, vous connaissez vos bourgeoisies, les mêmes qui comptent quelque chose et portent tout le bagage. Compradol. Compradol. On bourgeoisie de Compradol. Compradol, son élève là. Donc, étant donné que M. Sayo s'est importé, ça n'a pas favorisé l'emploi. Parce que l'on importe bien avec l'emploi produit. Donc, production bien en ligne de monde pour qui fait économie. Donc, production bien à bail plus emploi. Si production bail 10 emplois, importation même, il va bail 2 emplois ou juste besoin de transporter. Et puis, on nous vend bien. Aussi simple que ça. Et on va faire plus de bénéfices passés ou pas payer 3 employés ou pas dépenser quoi vraiment pour produire bien. C'est ainsi que, plus le bail d'emploi, population lui-même ne peut pas acheter bien ça tout. Parce que lui-même, il faut le travail, c'est travail pour jouer l'argent pour acheter. Quand nous avons toujours l'État qui est le plus gros client, on va comprendre que ça fait tout le temps de courir ça. C'est l'État qui est le plus gros client
tout le monde a fait gros business en Haïti. Correct. Qui sont les carbone machines, qui sont les carbone manger, les carbone machines, depuis l'an l'air, donc vous connaissez vos compagnies qui te rendent la police, vous seul coup de 200 machines, monsieur Touga. Et vous changez ça. Et en plus, fois tout, c'est des appareils ribil. Ribil. Toute compagnie qui n'est pas mangé, ou qu'on le bas à yon, on va en besoin parler, ou songez, qui quantifie manger qui n'a pas acheté des poids qui pas même cabouille, mais maintenant pour faire pour mettre dans la cantine scolaire. Pour le faire, tout ça. Donc, ça veut dire que tout le monde a créé un business uniquement sur l'État. Donc, quand il y a là, si il n'y a pas de opportunité, mais l'État n'a pas de nom pour le contrôler, M. César est chargé, obligé de mettre dans la rue avec toute qualité d'État. Correct. Et malheureusement, le peuple a libéré de toucher 1000 coups pour la manifestation de l'État. Parce que lui n'a pas rien ni contre le monde qui met dans la rue à ces espaces, il n'a pas joué. Pour qui ça avant, même nous, ça va mettre dans la rue. C'est ça. Donc, c'est chaque fois que M. César va prendre le pouvoir, au groupe à confortable, c'est pour sa prise de pouvoir. L'autre pouvoir, c'est toujours malheureux à équipe. Mais en Haïti, malgré le pouvoir, comme si tout le monde comprend qu'il vit de la politique, des ouvriers de la politique, donc ils ont compris que ça peut jouer un espace pour le toujours vivre. Ça veut dire son emploi politique en Haïti. Qui c'est militant, qui c'est les cafés parti politique qui va dire deux, trois mondes, qui c'est les cafés business, qui c'est les capes tout, M. César, on est sur la radio, fait tout. Donc tout le monde veut jouer, puisque pas d'espace pour tout le monde vivre à la fois, pour vivre une stabilité, et comme c'est Mdadou, de manière permanente. Ce n'est pas aujourd'hui que la vie de stabilité, crise politique, mais ce n'est pas un bagage comme si Mdazou qui est seulement politique. Politique, c'est un coup comme si Mdazou au bacabef et pour aller sèche et puis en balle mouille. Nous avons dit que ce parti sèche là, c'est la politique, kratokratiel, la preuve que c'est l'économie. La crise haïtienne est fondamentalement économique, c'est ça qui fait tout. L'assassinat, alors moi-même qui parle là, je ne passe pas enquête, pas enquête, je suis réfléchi. Mais tout le monde a fait analyse, tu as que l'assassinat président Jovenel Moïse, donc son bagage qui a rapport avec l'économie. Correct, correct. Parce que monsieur, il y a plein de bagages que tu as dénoncé, monsieur César, qui ne sont pas bien oubliés. Alors, vous songez, dernière déclaration que tu as fait, alors passons ici, dernière déclaration que tu as fait sur le gaz là, il te dit que si yo pas balle et si vous passez 20 millions d'euros, c'est pour ça que les gens font le copier mal fait dans le gaz là chaque mois. Il dit si on va pas comme ça, il va se publier nos chaque mois. Oui, oui, il faut des pelles de médicaments. Il faut des pelles de médicaments. Oui, oui. Effectivement, vous ne savez pas même comment se publier nous. Et comment c'est vous comme ça? Il y a des comme là. Chaque mois, son problème pour les gens. Et finalement, eh bien, tout le monde se va mettre ensemble pour débarrasser. Non, moi j'ai Jovenel Moïse, Jovenel Moïse prend un sandwich. Il prend monsieur un sandwich. Oui, oui. Monsieur, c'est d'accord, l'autre bagarre encore. Parce que l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons dit, c'est un double assassinat. Ok. Parce que c'est haïtien que nous y est. Parce que nous, on a dit, mon qui dit, mais coulève là, c'est lui qui coulève là. Correct. Et pour y avoir un chien, on va y avoir des conseils à chez nous. Parce qu'il faut faire mettre chien d'accord. Pour faire mettre chien d'accord, il faut que le chien ait un rage. Parce que si le chien ait un rage, faut que si tu viens là, la mort des moules, la mort des moules, il y a beaucoup de rage. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Correct. Donc c'est comme ça que vous commencez avec une campagne de diffamation pour faire la réaï président. Là où vous tombez dans la politique. La mort président, son la mort politico-économique. Exactement. Correct. Parce que t'es une machine qui met en place. Machine ça, monsieur César. Donc c'est que vous avez préféré ton équipe de parole, vous avez toute caricature qui a fait le président. Donc ça veut vous dénoncez, monsieur, toute ça l'a mettre sous pied, t'as coup, exemple, Annie. Est-ce que vous comprenez l'agence nationale d'intelligence là pour contrer carré monsieur parce que vous avez arrivé contre vous avez arrivé. Voilà, caravane changement, même bagaille. Vous commencez avec caravane changement enfin. Après caravane changement, vous lisez tout le bagaille, vous touchez chaque président marché, c'est 18 millions pour lui faire le bagaille comme ça. Vous venez avec question Petro-Caribé, vous venez avec Annie, vous venez avec récemment avec question référendum, vous avez le référendum. Ou là, carré peut parce que chaque sale fait, vous avez une façon. Pour yon même yon mal venu la société. Et pour diable, moun qui n'a pas de capacité de lecture, ou comprenez qui n'a pas de capacité d'analyse, qui peut entrer dans le cerveau. Yon. Normal. Nous songeons tout que avant que y'a parlé de référendum, gang gagne tout partout dans le pays. Phénomène gang là, monsieur César. Moun qui l'y met-il fait la question de sécurité, vous avez quelqu'un à comprendre, non? Oui, correct. Donc c'est dans la rue, oui, on n'a pas pu assassiner président. Malheureusement, ça n'a pas pu. Alors, monsieur, yon nan moun qui te dit président, vrai fantôme yon nan de la rue. Exactement. Moi, je te dis, président, vous avez un million, c'est dans le dollar, c'est sous côté voilà. De la rue. Exact. Donc c'est ainsi que, M. César, donc tout gang qui t'a blâmé dans le pays, tout, chaque bagage, parce que nous pas jamais, dans le mandat président, ça nous connaît plus crise. Chaque semaine sur la crise, chaque, jusqu'à ce que nous venions la crise d'assassinat du président. Est-ce que nous finissons la crise? Nous faisons commencer la crise, pas bien tout. La crise est fondamentalement économique.
OK. Après les nègres nous fin fait assassinat idéologique ça, par exemple nous fin comme si fait peuple la raille président, nous font assassinat caractériel, nous assassiner caractère président pour faire président sortir pas un lien dans le peuple. On y a le pas passer assassinat physique là. Nous qui fait assassinat physique là monsieur César, je comprends que il y a bien sorti, il y a pris fait assassinat et puis c'est peuple là qui parle sous dos. Bien compté mal calculé. Bien compté mal calculé. Sont bien fait pour équipe Jovenel là. Est-ce qu'on est sont bien fait pour équipe Jovenel là. Yo renforcé l'équipe de Jovenel. C'est ça. Pour bien d'autres, c'est une équipe qui est décriée dans l'opinion. Oui. Ah oui, très décriée. C'est pas parce que les rats disent ça, bien pour comprendre que bien dit les abus, j'étais pour j'ai dit, c'est pas ça, non. Parce que, mais, donc, avec l'assassinat de Jovenel Moïse, bagarre là, pral virer dans mes nègres. C'est ça. Côté, mais qui vit l'assassinat, yo, yo, pas qu'à profiter de lui, malheureusement politique. Même pouvoir n'est pas qu'à prendre. Pouvoir terre n'est pas qu'à prendre pouvoir, non. En tout temps, comment on est monté gouvernement ça, et comment on est organisation élection dans notre cabine là. Nous sommes le gouvernement et que d'ailleurs on connaît que monsieur Ariel Henry donc c'est pas gagné de l'égalité là. OK. Voilà? OK. Pas gagné de l'égalité parce que nous avons une situation exceptionnelle. Il était pas il était pas choisi faire avec le PMAI Claude Joseph. C'est comme ça tout il était pas choisi faire avec Joseph Lambert. Parce que pas gagné de l'égalité. Que on cherche seulement sur tes cajouines de l'égalité ou tes cajouines, c'est que PMAI, Claude Joseph, c'est l'IPKMB. Donc, puisque c'est ça, l'autorité de fait en matière de droit administratif, l'autorité de fait, c'est pas comme si l'autorité est égale, mais puisque c'est nous qui t'es doué là, pas là, et puis c'est lui-même qui doit se remplacer. Mais c'est pas un remplacement qui fait sur une base légale. Ok. Quand il y a là, nous venons tomber dans Ariel Henry. Ariel Henry, tout le monde a dit que l'arrêté, c'est un arrêté qui révoquait, ils ont arrêté. Mais Mounsa, il était correct dans l'analyse que tu fais. Mais on va dire oublié, par exemple, c'est désactiver la double investiture. La double investiture, c'est la désinvestiture de Moun que on va remplacer et puis investir pas. Voilà. Okay. Donc ça nous l'installation. Donc depuis le nom, mais on pas installé, donc ça veut dire que. On tombe automatiquement. Nul. Vous comprenez nomination nul, parce que nomination marche avec l'installation. C'est ça. Donc c'est pour montrer que pas un lien de légalité. Mais puisque le Premier ministre Ariel Henry lui-même était sorti non le consensus, voilà. Yeah. Et alors il était bombardé de gouvernement consensus sous le président Jovenel qui t'a parlé. Donc c'est pour ça que même il était choisi avec on est ici. C'est pas malheureusement, mais tout le capitaine Sablati. Eh bien, tout le monde a de l'autre capitaine Sablati, même dans ta frappe qui a frappé Jovenel, c'est quand même dans Sablati. Après, il y a fait toutes les manifestations qui existent, le président Jovenel n'est pas jamais allé. Okay. Donc, mais c'est même pas dans la première président Jovenel, qu'on y a là, il y a gardé pour le voir qui Sablati. Mais regardez qui Sablati, il dit, eh bien, Ariel est sorti au consensus, Ariel, malheureusement. Et qu'on y a cet ainsi que Ariel, vous connaissez de la façon que vous connaissez, puis il est resté pouvoir avec le cabinet ministériel. Mais ce qui est important, c'est que Ariel dit, en plus de qui là, quand vous jouez sur le droit, il y a des gens dans le gouvernement. Et la société civile là, l'ambassade américaine, avant hier, dit que les saluer. Oui. Et décision qui peut vous mettre, nous, la société civile là, dans le gouvernement. Donc ça veut dire, si nous ne faisons pas confiance, et nous avons dit que son gouvernement est quand même d'ouverture. Technocrate. Le gouvernement technocrate d'ouverture. Donc ça veut dire que nous, toujours des plaignés. Alors c'est ça qui parle de la question d'élection. Mais, c'est 18 mais pas, est-ce qu'on n'est pas besoin de pourquoi n'est pas besoin de parler? Parce qu'il y a toujours des plaignés parce que c'est 18 mounes. 18 mounes de la population de près de 12 millions de mounes. Il y a toujours des mounes qui parlent ministre. Donc ça ne peut pas d'accord ça. Et bon. Et malheureusement, il y aura une occasion. Donc, ça veut dire que toujours des plaignants, on a joué une journée, il y a une prochaine pas de manifestation. Donc, ça veut dire contexte-là toujours. Non, non, ouais, sous pas une manifestation. André Michel, pas la manifestation pour côté. Lui-même, comme madame des États-Unis, lui-même, madame des États-Unis, donc il va la manifestation pour côté, madame des États-Unis, là. Bon, peut-être. Yeah. Donc, ça vient de passer, c'est que toujours, et même au niveau, quand dit que il n'y a pas joué. Est-ce qu'on connaît GP Blacalé? Pardon? Est-ce qu'on connaît GP Blacalé en pile? Bon, avec le mot Jovenel Moïse, GP Blacalé. Oui, 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 parce que nous voulons mieux. Nous voulons mieux. Nous voulons mieux. Politique là, il y a l'autre champ. Nous voulons mieux des séries de monde qui partent dans l'avantage. Contrairement à ça, nous avons dit président Jovenel, c'est le bon. Nous voulons mieux. Qui est-ce qui a assassiné président Jovenel Moïse? C'est la bourgeoisie Jovenel Moïse. Donc, si Jovenel Moïse est en face à moi, la bourgeoisie a assassiné. Et donc, ça veut dire que, probablement que le président Jovenel a semblé être dans l'intérieur. Donc, on y a là, nous étions dans l'information du gouvernement, en nous étions dans l'élection. Mm-hmm. Ça veut dire que le gouvernement, parce que pour jouer une bonne élection, il faut jouer un bon accord politique. Correct, voilà. Correct. Mais bien qu'il y a toujours des blés, même sous des accords, parce que là, il y a des gens. Est-ce qu'on est à quoi tout possible? Toujours que vous imposer volonté personnelle. Voilà. Entre temps, est-ce qu'on est à quoi possible là, jusqu'à présent? Oui, toujours possible, depuis la vie. Mais pour qu'il y ait accord?
Et puis là, t'as dit notre tout à l'heure. Pour qu'il y ait un accord. De vous parler de l'accord. A dit, vous n'avez pas écrasé. Comment? De vous dire accord. Vous n'avez pas écrasé. 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 C'est chita pour chita. Nous dialoguer, chaque monde vient avec, comme si nous avons une proposition par eux. Donc, c'est proposition contre proposition. Argument contre argument. Moi, cher, sac la tête négola. Sac la tête négola, c'est premier ministre par eux. Ok? D'ailleurs, il y a Camichal Mess dans Portio. Est-ce que vous comprenez? Il y a Fritz dans Portio comme premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Il y a Camichal Mess dans Portio. Il y a Fritz dans Portio. Il y a madame comme présidente. Et ça, qui va accepter l'ambert pour président? Et qui madame? Qui madame? Madame Kok ou bien madame? Madame Kok, mon cher. Madame Kok. Okay. Madame Kok qui est comme président dans le Méo. Ok. Donc, monsieur, c'est ça. Il va quoi dans mes non? Il va dans mes non, papa? Oui, mais on est donc, si on est dans mes scènes depuis le président de l'Emmouria, donc nous avons dit que, donc étant donné que nous avons dit c'était le président, et donc puisque le premier président mourut, donc pas la deuxième, donc pas de temps de bail comme ça. Moi, je bluffe, hein? Moi, je bluffe, les gars, mais. On a les coups qui sont élections. Élection, parce que c'est blanc. Ouais, tout le monde qui a boumé là, ils voulaient montrer blanc, qui ça représente. Il y a force. Oui, oui, il y a force. Ils sont en train de déclarer ce qu'on fait dans la radio. Monsieur, c'est ça. Ouais. Vous le pays. Aïe, aïe, aïe. Ça va plus là, c'est pas ça. Ouais. Vous savez que même pour les opinions, vous êtes capable de faire tout guanal. C'est tout pour cette blanc, oui. C'est la blanc comme Agnew, oui. Et c'est pour ce blanc qui fait président de l'Union facile comme ça. Et là, il parle de c'est blanc. Tout est couille. C'est son président de la République. Puis c'est blanc, c'est qui est. Tout le monde fait. Parce que pire quoi, bagaille qu'on est caillé, pour haïtien, devant les gros blancs, oui. C'est ça. Il m'a pas dit qu'il m'a 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 donc c'est que il est souhaitable que je joigne un accord politique. Parce qu'on est ici, même si on va t'arranger, on va déranger. Correct. On va déranger, ça va t'arranger, et quand on continue à faire railler dans tout le pays, l'élection pas possible, et puis on fait Ariel Henry, même si bagarre. Moi-même, c'est pas que comme si on connaît même pas vraiment comme si on est socialement politique, on connaît son organisation société civile pour diriger. Mais, M. César, nous avons bien aimé Haïti ça, que comme si nous sommes divisés en plusieurs parties, nous ne pouvons pas passer et Matissan. Haïti ça, nous ne pouvons pas passer pour la mal passe, pour la lâche ton bagage, pour venir vous faire des poudres. Haïti ça, que nous ne pouvons pas passer si soleil, parce que comme ça, il y a un petit soleil qui existe dans le moment. Mais nous avons aimé où l'autre bagage, M. César. C'est ça. Et pour nous, l'autre bagage, la fois que nous chita, nous disons, mais ça me plaît. Ok, soit on va pas jouer, mais soit pas jouer. Ok, et puis finalement nous jouons à quoi? Et puis dans l'élection tout droit. Et puis choix qui fait pour ce premier ministre qui gagne, c'est pas président. Son choix pour élection fait pour président monter le plus rapide que possible. C'est ça. C'est ça, Blandine, le patron, le tio. Donc, mais c'est que si nous voulons, M. César, nous connaissons que c'est l'élection de toute façon. Nous obligeons à l'élection, pas de bagages qui fait de manière spontanée. Non, il y a qui connaît le papier qui gagne l'élection, cher. Il connaît le papier qui gagne l'élection. Pardon? Il y a qui connaît le papier jamais capable de remporter l'élection. Donc, il y a la transition pour y aller. Mais c'est ça qui fait d'où la crise est fondamentalement politique. C'est ça. La crise est fondamentalement économique. Mais qui crée un parti politique là, M. César? Il va tout faire. Il va tout prendre pour moi, non? C'est pour qu'on positionne sur le plan politique pour faire l'économie. Par exemple, les gars, ils ne m'ont dit qu'ils ne connaissent pas de bonne élection. Ils connaissent sciemment. Mais ils connaissent un parti politique pour lui. Pour lui, pour voir dans l'établir, pour pouvoir parler sous ta négociation. Est-ce qu'on l'a? C'est ça. Donc, tout le temps que son pays consacre une guerre, c'est pas que mon aspiration politique, pas fait politique. Donc, ça veut dire que M. César, il faut. Conclue-moi. Allô? Oui, conclue-moi. Oui, M. César, il faut que ça me tape le renouvellement de la classe politique. Correct. Parce que, c'est, mais faut que la presse tout est bien à ça, M. César. Normal. Donc, la presse tout est bien à faire, pas lui. Il dit que, monsieur, un bon exemple. La presse est bien à monsieur, mais ça n'a fait. Si tu n'as pas fait longtemps, parce que c'est peut-être la souffrance quand même. C'est tout le monde qui va passer Matissan. Si tu n'as pas fait longtemps, ok, monsieur, il y a une fille qui a pu se parler, qui fait l'opposition de pouvoir, pour nous prendre d'ailleurs. À moins que c'est la police qui a parlé de son bagage, vous comprenez? Vous passez dans la radio. Vous ne pouvez pas passer voir les aïeux. Parce que tout le monde est dans la radio qui a parlé. Qu'il s'agit de pouvoir, qu'il s'agit de l'opposition. Ni les cas faits politiques de cette société civile. Donc, nous. Allô? Allô? Bon, nous avons contact avec Nisson et Seus. Allô, Nisson? Seus? Nous avons contact avec Seus Nisson qui t'a peut-être venu. Vas-y, c'est un problème, hein, monsieur. Nous prenons contact avec Nisson Seus qui lui-même, c'est lui qui t'a intervenu là. Le téléphone a sonné. Quoi que pour nous, oui, oui. Oui, oui, ok, bien. Donc, excusez-moi parce que ma communication a été coupée. Oui, oui. Oui, ça m'a dit que faut qu'il y ait un renouvellement de classe politique là. Et on va penser que la presse lui-même lui a aidé dans ça. C'est ça. Mais je vais pas générer son capteur de la jeune femme.
Vous avez bien dit ça. Je ne veux dire que nous disons que le pays nous dans un groupe de monde qui ne peut pas chiter ensemble, qui ne peut pas régler ensemble. Parce que vous avez promettre que après la mort de Jovenel Moïse, donc le pays a pas le gain, c'est comme si nous avons dit, c'est délivrance. C'est la délivrance totale. C'est même vous, mais nous sommes les Jovenel Moïse, nous trouvons dans Ariel Henry. Là, qu'on y a tout mec c'est Ariel Henry. Parce que je veux dire, mais il n'a pas affaire politique, il n'a pas qu'à exister, il n'a pas qu'à faire discours contre son discours, il n'a pas qu'à si pendant un minute, il n'a pas l'homme, mais Ariel Henry pendant 20 fois. Donc, est-ce que ça, son classe politique? Il n'a pas qu'un discours qui est sur un monde. Avant hier, le président n'a pas dit deux phrases, il n'a pas dit Jovenel Moïse, il n'a pas 20 fois dans la phrase là. Donc, tout le monde veut dire qu'on est que nous avons une classe politique qui est désuète, donc qui n'a pas qu'à petit l'ami, qui mérite renouveler. Monsieur César, mais pensez que la presse tout doit jouer un rôle par là dans renouveler la politique là. Normal. Côté monsieur qui est universitaire, côté qui est une organisation sur des vidéos, je parle de jeunes garçons et jeunes femmes. Donc, sous le groupe qui toujours la voix au chapitre, et nous, moi qui comptons mener le pays, nous, mes amis, prenons responsabilité nous. Merci. Les jeunes garçons et jeunes femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Et si mes affaires, elles n'ont pas bon espace pour nous émerger, mais pas. Tu as utilisé les réseaux sociaux pour faire péter seulement. C'est ça. Utilisez le tout pour bailler de bon jeunes femmes, jeunes garçons. Et manger. Parce que comment vivre mon pays depuis m'existe sans crise, net, monsieur César. Correct. Vous savez, comment penser que faut dépassement de soi. Mais je n'ai pas même besoin de faire le dépassement de soi qui va faire dans le temps, monsieur Sao, classe politique ça. Moi, plus penser que donc faut des conditions qui créent pour gagner une émergence d'une nouvelle classe politique. C'est ça que je souhaite, monsieur César. Merci, Nisson Serius, d'avoir appelé où c'est travailleur social et où c'est monde qui travaille et travailleur social et dans un niveau. Et PIA ou c'est responsable organisation politique et sociale en PIA. On a demandé pour Morissette, Junior Morissette, entrer en contact avec nous. Et Junior Morissette, nous connaissons depuis Washington, qui va intervenir sous des activités qu'a réglé, qu'a fait dans le niveau et Washington DC. Et on a bientôt Donald Saint-Aubin, Donald Philippe Saint-Aubin, lui-même qui depuis Washington, mais pral entrer en contact avec nous là et pral intervenir sous diverses activités qu'a réglé, qu'a fait dans ça qui vient ouais, et dans le cadre funérailles. Et Jovenel Moïse, nous connaissons qui était mort. Et Jovenel Moïse, président de la lui-même, qui était mort 7 juillet, qui s'est passé là. Et Junior Morissette, bonjour. Et où c'est. Où vive Washington. Et font une courte présentation pour nous. Et qui s'est réglé Washington et dans le cadre de funérailles, Jovenel Moïse. Bonjour tout auditeur, bonjour M. Zahidouza, bonjour Pierre Martin Katout, bonjour leader de l'émission 1, beaucoup de dire. Et salut quand même, mes amis, même là avec nous là, José Lessindo. Et en fait, la profite de saluer tout et tout technicien, parce que grâce à eux qui permet la communication qui a passé, à correct. Tous fidèles auditeurs et qui suivent l'émission Matin Débat chaque jour. Salut l'équipe New York qui est dans Washington, qui va jamais qui toujours participer, qui a suivi l'émission Matin Débat chaque jour. Moi, pas commencé, franchement, pas commencé et intervenu. Pour moi, pas saluer et une autre fois, comme je disais, dans l'autre émission, dépasse forcé président Jovenel Moïse pour aller au-delà. Et je crois que ça me présente, profiter également présenter et condoléances avec Mme Martine Moïse. À tout le monde déjà dit, nous connaissons que c'est un moment qui est difficile. Et nous, quand on ne dit pas seul, parce que nous ne commençons pas à comprendre le mouvement président Jovenel là, nous ne comprenons pas, mais je suis sûr que dès que nous avons ça, c'est maintenant que nous commençons à rejoindre pour comprendre la route là et pour être capable de mettre ensemble pour mener la route là. Et nous savons que tout le pays qui a surpris du passé président et tout le monde qui est victime et lâche, et crime lâche là, je veux dire, qui touche nous tous. Alors nous-mêmes au niveau Washington DC, depuis quelques jours, c'est comme nous te dit, c'est consternation, Chita a regardé comment, et n'est pas posé cette question, est-ce que c'est vrai tout bon vrai que nous avons assassiné le président Jovenel dans la condition. Donc, dans pile de rencontres qui fait, mais hier, il y a une grosse activité qui était faite dans l'ambassade là, côté que tu as gagné un pile représentant de l'ambassade, de plusieurs ambassades. C'était là, par exemple, nous avons remarqué un représentant de l'ambassade Chili, Espagne, France, Venezuela et un pile d'autres encore. Mm-hmm. Et nous avons rencontré tout dans la cérémonie qui a fait dans le cadre président. Nous avons l'ancien ambassadeur américain Kenneth Clinton qui était là. Nous avons des grands représentants, associations et un commerce haïtiano-américain qui était présent tout. Nous avons gagné l'autre personnage dans la société civile là. C'est venu participer dans la cérémonie ça. Et comme nous avons rencontré l'activité ça, c'est une activité vraiment bien passée. Côté que nous avons gagné un gros choral dans l'église catholique
département DMV, l'MD DMV, c'est que nous jouons DC, Virginia, Maryland, soit c'est ça, et un groupe choral qui est toujours dans l'église catholique, qui même qui est censé animer et activer ça, et nous avons un prêtre, et une prêtre qui est très connu, et alors un pasteur qui est très connu, et qui est lui-même qui est présent tout, et à savoir le pasteur Faustin, et qui était là, ça te pense un petit peu, c'était presque tout le secteur qui était censé présent, et bien vous qui était présent tout dans la cérémonie ça. Mais c'est une cérémonie qui était faite vraiment à un niveau très, très élevé et très bien présenté, très bien préparé. Alors, une remarque que moi-même j'ai fait, et comme d'habitude, je n'ai pas trop remarqué comme si je n'ai présence, si je n'ai on sait l'autre monde qui pas toujours participé parce que nous avons senti que manquait un enchantement, manquait une participation ou peut-être c'est au niveau de l'ambassadeur qui peut-être pas fait sensibilisation hein, qui peine pas de joindre et monde peut espérer parce que et c'était presque des autres. Pourquoi l'ambassade a une activité là organisée aujourd'hui là? Pardon? Moi apprendre que l'ambassade là a une activité qu'elle a organisée aujourd'hui là. L'ambassade d'Haïti à Washington. Allô? Oui, oui, ambassade d'Haïti à Washington, tu as une activité à organiser aujourd'hui, à, ou pas au courant? Non, c'est hier, je t'ai organisé. Ah, c'est hier? Oui, c'est hier, je t'ai fait un gros merci et je t'ai fait une gros cérémonie qui t'a facilité que tout le monde t'ait venu, tout représentant international t'ait fait présent et pour t'être capable de participer dans la cérémonie ça, pour la cérémonie d'adieu ça, à président du pays. Donc c'est ça que lié et forme toujours j'aime d'abord avancer un petit sentiment que présence une foule comme des moun yo qui par contre c'est peut-être j'aime dire la théorie c'est gens que le gouvernement ou bien représentant dans la patrie qui fait annonce donc qui tiennent pas Dieu mais c'est presque un bagage plus ou moins et plus ou moins contre caractère élitiste. Une décapacité. Ouais. Par exemple, pour nous-mêmes, moi, je crois que le départ président journal, c'est un départ qui touche tout le monde. C'est vraiment un travail qui fait à travers tout le secteur pour que un bagage qui est plus grandiose. Pour le sens que tout le monde est capable de présenter la donne. Donc, c'est ça. Donc, par contre, sur notre question, sur question et activité qui est faite là, dans l'ambassade là hier. Alors, et est-ce que, journée aujourd'hui là, ambassade là, et river by service comme ça doit et par rapport à tout grief tout problème qu'on est posé et dans diverses ambassades nous connaît que c'est ambassade de Washington qui au même recevoir et pour question passeport et comment ça est bon et je dis ensemble pas gagner activité et qui très fort au niveau de l'ambassade là puisque on est après cérémonie ça et c'est une cérémonie qui permet tout le monde une position pour réfléchir sur et crime capital d'état donc pas de gratuité il croit que il y a quelques sections qui sont fermées dans l'ambassade et aujourd'hui donc allô aïe. On perd Morissette, on a demandé pour Morissette en rentrant en contact avec nous, encore, pour nous capables, pendant tout le temps, de profiter de saluer Patuko depuis Meli Melo. Et Meli Melo qui est dans Long Island, on a salué Madame Ni et Judy. Et nous rejoignons avec, Morissette. Junior Morissette, oui. Allô? Oui, oui. Nous t'avons dit contact avec nous, on allait. Oui. Donc, l'activité a été faite depuis hier. Donc, l'ambassadeur Boschit, personnellement, je crois que hier, il est entré et il a quitté Washington. Et qui pour l'entrée Haïti pour participer dans la cérémonie officielle qui a fait dans le cadre d'enterrement et président Jovenel Moïse. Okay? Donc c'est ça qui permet incapable de dire que l'ambassade là, qui va y open champion, mais va y aller totalement au ralenti. Mais c'est toujours une liste là que tout le monde qui est capable toujours participer, venir écrire un mot, venir signer dans le livre ça et qui est ouvert, qui a été ouvert pour la population et même mon cahier officiel tout qui est là, tout le officiel qui a pu venir. Quoi vivre Washington? Comment Haïtien qui a vivre aux États-Unis? Ouais, l'assassinat qui fait sur le président Jovenel Moïse. Bon, c'est pas seulement Haïtien qui a vivre Washington, c'est pas qui touche tout le monde. Alors, parle des États-Unis. Parle de Haïtien qui a vivre aux États-Unis. C'est un bagage comme si, surtout, pas moins que côté nous là, dans Washington. Lors à nos restaurants, ou lors d'une fille, ou d'une congressman, ou d'une sénateur, ou d'une tout. C'est comme une adoue. Capitale mondiale, là, c'est Washington. Capitale politique, côté toute politique qui a décidé toute bagaille sur la terre, c'est Washington que lié. Donc, en plus, la question que monsieur a posée, c'est que est-ce qu'en réalité, États-Unis pas au courant et ou bien pas de temps, connaît que tu as pas le mettre sur tu as pas tué le président Jovenel Moïse, et s'il était au courant pour qu'il t'a dit qu'il action dans la tête. Donc, nous, on pose des questions. Jusqu'à présent, on a posé des questions. On a toujours posé des questions sur
disparition et macabre. États-Unis, le grand supporter de Jovenel Moïse. Hein? Le grand supporteur de Jovenel Moïse. Et en plus, qu'est-ce qu'on a posé? Jodi à la. Pour qui ça c'est sous? Yo touché de sa cafette là. Et bien voilà. Jodi à, hier, nous tenons une intime que nous dit que nous disposition que nous suivons. Oui. Nous dit que ça va continuer, Jodi à. Et nous-mêmes, nous vivons en position que tout trois bagailles saillent, et chaque fois que nous sommes de la diaspora, nous victimes beaucoup plus, et trois fois encore. Parce que les situations pas bon à ici. Si nous nous sommes mieux, c'est nous au niveau de la diaspora. Ça fait toujours camper. Nous avons défendu pour que nous la paix et toute intervention nous demandons pour gagner des pour nous entendre nous harmoniser les actions, harmoniser, réfléchir sur les actions pour nous partir. Parce que nous changer à plusieurs interventions, nous toujours demander mon monde, tant pis, tous les leaders, tous les secteurs, mettre ensemble, chercher. Parce que ça arrive jour et jour là. Quel nègre n'a pas dans le pouvoir? C'est eux-mêmes qui prennent les captifs Jovenel Moïse. Parce que leur groupe politique, ça fait opposant avec pouvoir, envahit le secteur communication, tous les réseaux sociaux contre le président. Ou pas gagner, président pas gagner, même un nègre sans ta communication, yo, qui est capable de faire une politique, soit en politique de double pour faciliter que moun yo comprenne la réalité. Pas chambre dénoncer ou bien mettre réalité, action président pour nous comprendre. Mais non politique communication pour faciliter que moun yo comprenne réalisation président. C'est plus bagaille négatif seulement moun yo attendre. Et on a bagaille que nous avons dit, nous avons parlé ça hier avec nos amis. Comment on est capable ou bien femme capable de courage pour annoncer la mort au président? Ou dit que carrément c'est bon Dieu. Bonjour. Je ne m'avais pas toujours dit, m'a dit ça. L'homme capable d'arriver, nous changer à l'époque de coup d'État. Les bras de coup d'État, Esaïe, c'est ça. Ils ont toujours annoncé le 2-3 jours à l'avance pour suivre. Pour qui ça d'après vous? Son façon pour que l'autre prépare l'opinion, oui. Je ne veux pas dire que haïtien pas sorti dans la rue, c'est beau manifestation. C'est parce que les négociés qui ont payé un série de monde, puis faire semblant que c'est des mondes religieux, puis annoncer que le président est pour mourir, les présidents viennent tomber le mourir, donc tout le monde dit, ah, je ne suis pas trop excité, je ne suis pas trop choc parce que je suis présent. C'est pas tout ça qui fait ça là, non? Est-ce que nous avons dit entre temps, est-ce que nous avons dit entre parenthèses, il y a là, il y a un messie dans le dossier? Non, mon cher, en politique, ça, on le sait bien, la présomption, c'est la mère de tous les hommes et demain, et moi-même, je ne suis pas capable. Dit ça que même pas qu'on est, okay. J'ai respecté un série de bagailles, mais ça m'a dit que c'est un bagaille qui est très bien organisé, comme tout le monde connaît, c'est un même affaire. Et même sur le plan communicationnel, que nous avons prédit le président Banoui, c'est ça fait au même tour, les Haïtiens ne sont pas trop choqués. Parce que c'est des gens qui sont en train de porter annonce là. Donc là, nous recevons que le président Moui, nous dit, c'est comme une dame, nous ne sommes pas trop saisis. Donc, il y a des gens qui disent pourquoi ça ne pas prendre la rue, pourquoi ça ne pas, c'est comme si j'en connais son. Moi-même, pas bon menti. Ça a été de façon président mourir à la Kailia. Si le président s'est sorti, si le président est sorti, il est mort. Si le président est côté, il est mort. L'âme de capot pour nous bagaille. Mais là, c'est ça. Parce que le complot, il est sorti de petit de madame ou de n'importe secteur. Donc l'essentiel, c'est vous, avec bon Dieu, ou bien c'est vous-même qui vous gardez le plan de sécurité comme vous gérez. C'est ça. Donc je dis à, comme nous-mêmes, n'a pas en termes de conclusion. Pile nec qui était déjà. Allô? En termes de conclusion. Oui, donc pile nec qui joue aujourd'hui, hein, qui prend pause. Et je ne veux pas dire que c'est Jovenel Moïse, je dis à nous dire la question. Et je ne veux pas dire que nous sommes prêts, que nous sommes prêts à pratiquer dans le temps, je ne veux pas dire que nous sommes prêts à la limite. Tant pis. Tout n'est qu'une opposition. Si je ne veux pas dire que vous voulez commencer, vous commencez à mettre des pays à chaud encore. Mandez-nous un service. Jouer la tortue. Ciel. Allô? Allô, Morissette? Allô Morissette? Non. Et Giuseppe Pavlé et l'interview a continué. Et Morissette, nous perdons Morissette. Et par contre, ça a passé. Entre temps, on a profité de saluer toutes les amies qui branchent l'émission. Hein. Et on a salué Ketli Kaseus depuis Tabar. On a salué tout le monde qui est dans le complexe fierté. On a salué tout le monde qui est dans le complexe fierté et qui est dans Tabar. Et. Nous sortis Washington, nous retournons Washington, dans le niveau Washington DC. Donald Philippe Saint-Aubin. Salut, Jérémy César. Je salue aussi matin à tout, je parle matin. Et je connais que José Luxidor est à Washington. Je salue Luco Désir. Et aussi, je baisse. Oui, Morissette. Trois mois devant les promoteurs de. Monsieur le Président Jovenel Moïse, qui frappait tout Haïtien, à Washington surtout, parce que je connais que
y a quelques Haïtiens qui étaient accouchés à l'hôpital à cause de la mort terrible du président de la République, Jovenel Moïse. Même moi-même tout, ça m'a choqué parce que il était un ami à moi, j'avais l'habitude de lui parler. Mais pas des Joblomen, c'était un conseiller sans portefeuille que j'étais pour lui. C'est ça. C'est un homme qui voulait faire quelque chose. C'est un homme qui voulait faire quelque chose pour la nation haïtienne, mais il n'y a pas de bali. Non, il n'y a pas de bali en pire moyen pour le faire. Bon, on va vous le dire moi, monsieur. Et qui sont Washington impose son gouvernement là, à la tête du gouvernement ça, c'est Ariel Henry, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre des Affaires Sociales, et l'organisation des élections est prévue pour le mois septembre. Qui sont eux? Laisse-moi vous dire quelque chose. Laisse-moi vous expliquer. Washington n'a pas metté Premier ministre, premièrement. Washington, les sénateurs des États-Unis et les députés des États-Unis, ils ont gagné une réunion qu'ils ont fait, j'étais présent moi-même. Et c'était le président de la Chambre qui était doué venir comme président provisoire de la République d'Haïti. Là, on parlait de Joseph Lambert. Et je crois que c'était le nom qui avait parlé. Le président, on disait le président de la Chambre. Le président de la Chambre des députés. Non, le palais législatif. Le président du palais Sénat. Législatif. C'est ça. Le président du Sénat. Le président du Sénat. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un audio qui a été. Et que tu as joué pour Mounio, tu as traduit. Et que M. Joseph Lambert, tu as pris un petit monde, tu as fait l'alvan drogue, vous t'es dit que. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire l'école, etc. Par contre, vous t'étendez. Oui, ça, c'est donc commenté. C'est donc commenté par certaines organisations de droits humains. Oui. Même si Mounza, tu as dit que c'est forcé, non, Cham a dit bagaille ça. Ok, je vais revoir. Bon, ça, c'est lui-même. J'avais appelé M. Lambert, mais il m'a instruit qu'il n'a pas eu un monde qui voit franc en anglais, donc il ne peut pas parler. J'avais appelé, mais il m'a écrit. Pour me dire cela, que pas qu'à parler dans le téléphone, parce, à cause que pas mal anglais. Mais il était en communication, moi j'étais contre traduit pour lui. Mais c'était là, et moi quitté, et puis moi viens apprendre que c'est le Premier ministre qui va diriger et le gouvernement jusqu'au 28 juillet pour les élections. Mais ça que m'apprend de la part de une source bien combinée, gagné une note de presse qui vient de sortir le 21 juillet. Et note de presse a dit prorogation de l'enregistrement des partis et groupements politiques jusqu'au 28 juillet. Oui, en parlant du conseil électoral provisoire, alors, qui fait sortir le conseil électoral, peut-être des gens qui pourront connaître. Oui, nous gagnons déjà. Le conseil électoral a annoncé, il a prolongé date d'inscription pour partis politiques. Jusqu'au 28 juillet. Oui. Et gagnons à faire. Alors, ou même beaucoup de bon, est-ce qu'on a une élection possible? Bon, pas avec CEP qui l'a, parce que Nexao, il va le tomber. Il va le changer. Il va le changer, disons, d'un moment à l'autre. Il va le tomber, il ne va pas faire bagaille ça. Mais est-ce que ouais, nous avons organisé l'élection dans 6 mois? Pas dans la journée, coûte ça. Pas dans le moment, coûte ça pour le moment. Parce que on vient de perdre le président. C'était en juillet. Et puis tout de suite, n'est-ce pas, nous n'avons pas gagné un président provisoire, nous n'avons pas gagné une sécurité qui pour bail sécurité pour les élections. Alors soyons sérieux avec les affaires du pays. Hein. Soyons sérieux, il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Nous avons une série de problèmes qui ont passé dans le pays. Là. On parle d'élection qui doit enregistrer le 28 juillet. Ah non, soyons sérieux. Hein. Peuple là. Il parle en vrai, c'est là, vu la parler là. Nous avons un président qui fait mourir pour qu'on m'ait enterré. Et puis le 21 juillet, nous voyons un CEP qui a un bagaille. Et puis, court temps de tirer, par la partie à gauche à droite. Il y a un potomac dans la mention qui a gagné un potomac à 3 millions de dollars. Pour quitter le peuple là, le problème. Monsieur Mamdi, nous l'avons dit. Haïti, c'est pour nous que lié. Haïti, c'est pas nous que lié. Tant pis. On quitte le président enterré et baille un petit temps encore pour madame souffrir encore.
avant que nous parlions de l'élection, on nous fait des choses qui sont sérieuses. Parce que ce que nous faisons, c'est retirer Jovenel Moïse. Et puis c'est souffrir, madame Jovenel souffrir avec la famille. Moi-même, comme je dis, je baisse le chapeau moi, devant le corps président. Merci. Et je dis, moun qui ont capé tout, moun qui ont capé tout, tant pis, si tu es président enterré, naturellement, merci. Faut dire que l'enterrement fait. Merci. Merci, Donald Philippe Saint-Aubin, d'avoir appelé où tu es intervenu depuis Washington. Nous allons entrer en contact avec Benji depuis Ocap. Et à la rigueur, nous allons essayer de faire avec Ismaël Valistin, si nous allons faire Benji. Et Ismaël Valistin, nous allons appeler lui-même. Et voilà, Benji, tu as essayé d'entrer en contact avec nous là. Et nous allons parler avec Benji, nous connaissons. Et nous allons parler avec Benji. Et nous allons parler avec Benji. Et qui lui-même au Cap Haïtien, nous connaissons au Cap, il va organiser funérailles président républicain Jovenel Moïse qui perdit la ville en bas coup de zame bandit qui sorti à l'étranger en complot avec Haïtien qui dans le pays d'Haïti. Et c'est un gros complot selon plus d'un. Nous pas qu'à Benji, nous allons essayer de parler avec Ismaël Valestin depuis Cap Haïtien. Et Ismaël Valestin. Et Ismaël Valestin, après c'est capable avec Ismaël Valestin, nous connaissons qui au Cap et n'a prêté service Ismaël Valestin, nous connaissons qui c'est animateur et de émission présentateur animateur émission et boucanter la parole en guerrier n'a prêté Ismaël Valestin et malheureusement beaucoup connaissent Ismaël Valestin et Ismaël Valestin nous parlons aussi de la fonte parler avec Ismaël Valestin et qui lui-même est trouvé au Cap haïtien et n'a pas demandé pour Benji sou. Et attendez-nous là, émission ça, c'est émission Port, Matéliba ou même qui branché un peu partout à travers le monde. Et n'a pas salué toutes les amis qui ont même à peine branché. N'a pas salué 10 productions. Hein, 10 productions. Et voilà, nous pouvons faire Ismaël. N'a pas aussi entrer en contact avec Ismaël Valestin et Benji. Maître Joël Antoine. Malheureusement, nous n'avons pas arrivé à Ismaël. Et Ismaël Valestin, nous connaissons aujourd'hui là. Et c'est un Maxino. Maxino, depuis au Cap, nous avons prêté service à Maxino, et qui est au Cap haïtien. Et nous avons prêté service à et Maxino lui-même, nous connaissons qui est au Cap haïtien. Et Ismaël Valestin, Maxino, nous avons prêté service à Maxino. Et. Maxino et Maxino ou sous Maté Débat, Mrelo là, me prend au dépourvu et ou sous émission Maté Débat. Allô Maxino, comment est? Allô Maxino? Nous là. Et ou sous Maté Débat, émission Maté Débat, émission PIA. Et nous connaissons au Cap haïtien, n'a pas été service là. Et dis-nous comment au Capien là. Ville levé calme, c'est gain un bombes qui sont dans la cathédrale. Au Cap-Blanc, c'est Archevêque Cap-Haïtien qui est déstabilisé. Mais ça, pour ce moment, il y a des manifestants et qui sont dans la rue, qui ont plongé l'aide là. Ils ont compté aller jusqu'à Vertière, ils ont sorti dans la cathédrale. Ils ont gagné Mario Blanc avec photo ancien président Jovenel Moïse. Ils ont demandé justice et ils ont montré, ils ont déterminé dans la marche ça qui a fait et qui a déroulé pour le présent moment. Dans ville Cap Haïtien. Alors, marche qu'a fait, mais nous connaissons, selon l'information que tu as joué nous dans Port-au-Prince, tu as fait quoi que en pile monde dans Cap Haïtien et dans le Grand Nord, pas d'accord pour que l'enterrement président soit arrivé fait demain. Est-ce que organisation Sayo, et monde Sayo, citoyen Sayo, tu as kembe qui la ganache, position ça? C'est dans les réseaux sociaux dans l'État. Mais il y a des manifestations spontanées qui sont organisées hier. Dans ville Cap Haïtien, c'est ça. Ismaël Valestin. Oui. Oui, c'est sur les réseaux sociaux dans l'État. Mais par contre, il y a des manifestations, par exemple, des GPNH, Léon Charles, Calan, délégation noire. Et il y a un fou qui était montré très hostile à présent. Alain Douali. Cap Haïtien, et qui était pas de Chalmari, de Edol. Et il y a plusieurs personnes qui sont d'école, qui sont composées dans le 9e année fondamentale qui ont manifesté hier, donc ils ont demandé justice dans le moment côté municipalité qu'à présent, mais ils ont capté ouvrir un registre de condamnation devant les riens. Ça a été fait plan très chauffé dans la nuit hier pour l'ouvrir matin, pour limite qui séparait commune Dondon et Saint-Raphaël, qui c'est un côté clé pour les gens qui sont pour le prince et entrer au Cap Haïtien et au poulet.
mon amour de justice dans limonade, enflammé, tout bien. Et même pour le présent moment, mon talent apparent dans Vika Baïsien. Ok, donc est-ce qu'il y a pile personnalité qui sorti Port-au-Prince qui vini pour capable assister à funérailles ancien président Jovenel Moïse? Moi, ouais, ancien député, ancien président chambre et député à Garibodo, d'ailleurs, nous avons interviewé la Côte lui demandé de ta fond campé sur l'organisation funéraire là et tout à trouver un consensus avant de faire funéraire là. Il y a tout directeur qui est présent. Dito Edouard. Mis à part Samba, ouais, l'autre personnalité. Il parle de quoi l'autre personnalité qui est dans la ville là? Ismaël Valestin, au sommet des débats. Et comment est Ismaël? Et IPF a parlé pour vous, IPF Union Internationale de la Presse Francophone a parlé pour vous, ok? Merci. Salut Isaïe, salut tout le monde. Radio Éclair, matin débat, prolongement pour garder la parole. C'est ça. Mon cloche, on mérite ton cloche. Dis Maxime, on tout bat le cloche à tout. Oui, merci. Bon, nous dans la ville là, et dans la ville d'Apaïtien, bon, plusieurs raisons. Nous sommes toujours dans la ville d'Apaïtien, même pas souhaité présent dans la deuxième ville pays, dans nos circonstances pareilles. Nous sommes dans la période fête champêtre, et pour le marquer, maintenant, limonade, notamment la caille, c'est plusieurs événements. La main, spécialement, puisque nous ne connaissons pas nos périodes de fête, nous sommes présents dans la ville d'Apaïtien pour pouvoir participer. Et dans le funérail, et chef de l'État, Jovenel Moïse, pour être assassiné, la caille, dans date 7 juillet, donc c'est le réseau qui fait nous présent dans la deuxième ville PIA, et département côté et ville côté de sortie, département côté de sortie. Donc nous, si on est plusieurs et côté déjà, nous avons un peu de monde dans la ville là, nous remarquons présence de Montes Joseph dans la ville syndicaliste, nous remarquons toute présence magistrat à Port-au-Prince dans la deuxième ville PIA, mais tout matin, il y a un pile officiel et dans l'État, qui a été en contact avec moi pour connaître comment la situation lui-même liée dans la ville là. Puisque nous-mêmes, nous avons un petit bêta, et je dis à ce jeudi, et c'est la journée quand même, nous faisons une activité, nous allons regarder comment ça lui-même, les personnalités qui sont présentes, notamment nous connaissons un ancien député qui est soit parlé de droit à présent, puisque il est dans la route pour arriver à Paris-Sien. Et des membres du gouvernement. Moi, Jean-Charles, nous connaissons qui trouvait dans le Nord, c'est mon nom, c'est un kilo, qui a activé la organisation qui était dans le Nord, l'a participé dans le funérail Jovenel Moïse, selon toute information. Ancien chef d'État. Oui, sénateur Naroun Marcellus qui souhaitait Jovenel Moïse au revoir, bon départ. Et il y a un pile monde. Et actuellement, on a parlé là. Et ville Cap-Haïtien, Guillaume Mach, un pile monde avec Mario Jovenel Moïse et femme de garçon. Et notre majorité, c'est important pour souligner pour Radio Radio Éclair et Monsieur Matin Débat. En grande majorité, c'est des jeunes femmes avec jeunes garçons. Jeunes femmes, jeunes garçons, comme si qui peut-être te croient dans le rêve de Jovenel Moïse, là, te croient dans la vision de Jovenel Moïse, te gagné, dans la volonté de gagner pour être capable de changer ça, c'est un peu de Moussao, nous capable de remarquer. Mais je dis à ce jeudi, où est Villa Dougon, Jean Crain-Crain, et nous restons passés dans Saint-Raphaël, Limonade te gagne mouvement. Donc, Villa Dougon, timide, puisque ce n'est pas fête qui gagne dans Villa vraiment. C'est là, fini, chef de l'État, il y a une autre chose. Si je comprends, je dis là, j'ai plus de monde qui a clé, on est et que le président de la République est un monde qui est impopulaire. Donc, face à les assassinats qui sont faits sur l'IA, il est un peu célèbre, si je comprends. Je ne sais pas, il y a une grosse pression sur l'IA. Je ne sais pas, il y a une grosse pression sur l'IA. Et au cas où il y a une réaction, il y a le monde. Et comme si vous venez vous montrer ou pas bon monde de ces jours. Ça veut dire que c'est une pression psychologique de faire sur les gens. Et vous avez sauté au départ. Mais nous avons perdu dans la ville qui n'est pas ici. Là. Moi, je fais la machine hier. Des Saint-Raphaël jusqu'à au Cap-Haïtien. Constat que moi-même fais. Bon, je ne vais pas paraître comme président. Pour moi-même, c'est le constat que je fais. Un populaire dans la ville de province. Moi, je dis ville de province. Je ne vais pas même dire dans le nord. Mais constat ville de province. Mais sage ville de province. Ensemble d'activités qui sont organisées. Dans la ville de province en Dabéia, Jovenel Moïse, pas très populaire. Jean peut-être des blés, vendent dans l'hôpital. Il y a des qualificatifs, ils sont dictateurs, mais moi-même, je ne parle pas de dictature, mais il y a plein de monde qui connaît si Jovenel est dictateur, il n'y a pas de mourir et dans la condition qu'il mourra. Correct. Et il y a plein de choses qui étaient dit, mais quand même, c'est la vie qu'après le reste là, mais une grosse mobilisation, qui est là dans le nord. Je ne sais pas qui ça va aboutir, mais quand même, les gens dans le nord,
Parce que moi, après, on a passé, et en plus, on a tout campé dans la ligne, à observer, ça a été là dans le département. Bon, passo, Maxino, Gérard Maxino, qui plaît à ce qu'il y a. Gérard Maxino. Je voulais souligner, et aussi de matin débat, c'est que, on sent curiosité, là, par exemple, et comme qu'a dit, euphorie. Parce qu'on a voulu sortir, on a voulu montrer que on signé par son résident, Jovel Moïse, mourir. Son ordiste qui mourir, son ordiste. Il y a pas de manifestations qui sont programmées, c'est des manifestations spontanées, où il y a des timons qui demandent justice, où il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui prennent la rue, qui montent déterminés, qui demandent justice. Les gens de manifestation qui sont qu'on a bien dans la ville, dans la ville, et dans un monde.